Aucun incident majeur n'a été signalé dans les centres d'examen de la région administrative de la baie lors des deux premières journées du baccalauréat unique session 2019. On a commencé les épreuves hier, le 15, comme ça a été dit. Dans mon centre, il n'y a pas de force majeure, aucun incident, parce que les candidats ils le savent, comme les surveillants, c'est tolérance zéro. Donc, c'est-à-dire aucune forme de fraude ne sera tolérée. Même moi, je ne suis pas épargnée. Personne n'est épargné pour le bon déroulement des examens nationaux. Seulement, on signale qu'avant le lancement des épreuves de la première journée de ce baccalauréat unique session 2019, plusieurs documents frauduleux ont été saisis par les surveillants pendant l'opération de fouille systématique des candidats au lycée Ouro de l'Abbé, qui abrite le centre d'examen pour les sciences mathématiques. Ils sont sévères dans les classes parce qu'il y a une classe 13 où ils ont récupéré plus de 20 paquets de feuilles comme ça, juste pour copier. Des feuilles de brouillon, vous savez, les élèves ont mis des feuilles dans leur soutien, des feuilles dans leurs chaussures, d'autres ont mis dans leurs pantalons. Par ailleurs, il semble que les sujets d'anglais, mathématiques, économie, physique et français donnés lundi et mardi ont été abordables pour les candidats des profils sciences expérimentales et mathématiques rencontrés à Concola et Ouro. C.C. Albert Collier rêve lui aussi d'accéder à l'université guinéenne. J'espère que les sujets qui ont été venus, ils ont été abordables. Nous avons composé en anglais et en mathématiques. On a fait nos mieux, ça y est avec maintenant, à les corriger. Quand même dans la salle, il n'y avait pas de communication. Oui, oui, tout le monde disait que non, les sujets, c'était difficile à eux, donc ils étaient courés. Moi, ce que je connaissais, j'ai fait sur mon papier. Selon l'emploi du temps du baccalauréat unique de l'enseignement général, affiché au lycée Ouro, la journée du mercredi 17 juillet 2019 est un jour de repos pour les candidats de tous les profils confondus.